Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce business ici de jeux pour enfants dont vous pouvez lancer en Afrique et commencer à diversifier les enfants, divertir les enfants, ils vont commencer à jouer. Alors ici, nous allons entrer à l'intérieur. Nous allons vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Ok? Restez avec nous, restez branchés. Vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Ici, quand tu entres, c'est là. Là-bas, c'est là où tu vas payer. Ah, donc, vous allez là-bas, c'est là où vous allez payer. Ah, on va vous donner la carte, le ticket. Ça va vous dire combien payer pour les enfants. Et ici, notre première place, sont les voitures. Hein. Ici, sont les voitures. Donc, vous payez et vous venez jouer aux voitures ici. C'est très joli. Regardez, donc, c'est même pour les grandes personnes. Et les enfants qui jouent avec leur papa, c'est très bien. Ça, tu peux lancer ça, quelque chose comme ça en Afrique et te faire beaucoup d'argent. Il y a une belle musique qui est là à l'intérieur et il y a des jeux vidéo très jolis. Donc ça, c'est la première partie. Vous payez ces véhicules ici et vous mettez un endroit comme ça, là où les gens vont commencer à faire des véhicules. Alors, je vais vous montrer notre deuxième partie. Les enfants sont en train de jouer là-bas, vous voyez, très joli, hein? Et là l'enfant va payer et puis il va monter au-dessus pour jouer. Deuxième étape, donc vous allez voir comment les enfants sont en train de grimper, vous voyez, les enfants sont en train de grimper. C'est pas seulement pour enfants, c'est pour tout le monde, pour adultes aussi, hein? Tu peux aussi grimper avec tes enfants, très bien, il y a donc parc d'attraction pour enfants, c'est vraiment très bien. Ici c'est comme un pôle sport, hein. très joli, j'aime beaucoup. Un très bon business à lancer en Afrique. Et regardez maintenant, ici c'est pour les slides pour les enfants. Les enfants vont commencer à jouer là, ils vont monter et commencer à slide. Donc super quelque chose. Alors je vous montre la troisième partie, c'est de ce côté là. Vous voyez, il y a des enfants, des adultes qui entrent là en bas et ils vont commencer à aller jouer et commencer à faire les jeux. C'est très bien, surtout pour le week-end, hein, pour amener les enfants le week-end. C'est vraiment très bien. Donc c'est par là qu'ils entrent et c'est par là, très joli. Et regardez, c'est par là que les enfants viendront. Ils vont glisser. Donc vous montez ici. Donc l'objectif c'est de monter par là. Vous allez monter, il y en a les jeux là-bas. On va goûter tout ça. Et quand les enfants montent, l'objectif c'est de venir glisser ici. C'est par là que les enfants vont glisser. Hein. Très joli. Nous allons vous montrer la quatrième partie. Quatrième partie, c'est on appelle les jumps. Ici, vous venez, vous laissez vos chaussures ici et vous entrez pour venir sauter. Donc, sauter avec les enfants. Donc, tu peux sauter avec les enfants, tu peux sauter seul. Regardez comme les enfants sont en train de sauter. C'est très joli. Donc, là aussi, c'est les enfants sautent. Donc, c'est pas seulement les enfants, toi aussi, tu peux sauter. Donc, créer quelque chose comme ça en Afrique, ça vous amène beaucoup, hein, par jour ou bien par mois. Donc, tu loues une grande salle et tu installes tout ça. Voilà, les enfants sont en train de sauter. Très joli. Et regardez là, il y a aussi à manger, à boire. Tu peux commencer à servir à manger, à boire. Les gens sont en train de boire quand les enfants sont en train de jouer. Alors, nous allons aller à notre quatrième partie qui sera de l'autre côté. Je vais tourner pour bien vous montrer. Quatrième partie. Ici, je vous dis, vous pouvez aussi avoir un restaurant. Comme vous voyez, les gens sont en train de manger les pizzas. Vous commandez les pizzas, les restaurants. Vous voyez, là, nous allons partir. Et regardez ce business-là. Ici, il y a des chaises massage. Donc, toi, adulte, tu peux venir pour te faire masser ici. Tu mettras l'argent là
et tu t'assois pour te faire masser. Encore un bon business. Et de l'autre côté, c'est là où nous avons la bouffe. C'est comme un takeaway, fast food, les gens s'assoient ici. Hein? Mais je reviendrai là-bas. Je vous montre l'autre quatrième étape. C'est le jeu des ballons. Hein? Je vais vous montrer ici, ils organisent des fêtes, des anniversaires et tout et tout et tout. Et ici, ce sont les toilettes très propres. Très propres pour avoir des toilettes. Là, je voulais vous montrer notre quatrième jeu. C'est le jeu de des ballons. Là, les enfants font les jeux des ballons. Regardez. Très joli. Et même si quand l'enfant tombe, il n'aura pas mal. Hein? Et de ce côté ici, c'est le quatrième jeu que j'allais vous montrer. À l'intérieur, les enfants sautent. Et vraiment très, 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 très joli. L'investissement de ces jeux pour attraction pour enfants, vraiment, ça rapporte trop. Pourquoi? Parce que les parents aiment toujours amener les enfants à jouer. Et même les parents, c'est bien pour les parents, vous pouvez vous détendre. Regardez, c'est très joli. Et j'allais vous montrer que vous pouvez avoir aussi un restaurant. Là, c'est le restaurant. Je suis sûr que vous êtes en train de voir. Il y a le menu. Et il y a des parents qui sont assis là. Ils attendent que leurs enfants puissent finir de jouer. Et ils peuvent aller à la maison. Très bien. Donc, tu fais les restaurants. Tu crées un restaurant. Tu peux créer aussi un bar. Et vraiment, tu vas vraiment t'en sortir. C'est un très bon business à lancer en Afrique. C'est pour ça que j'aimerais vous montrer ces business. Ici, par jour, tu peux te faire aux environs. Bon, ici aux États-Unis, il y a des gens qui se font aux environs 50 000 à 20 000 dollars. 20 000 à 50 000 dollars. Ici, il y a les jeux de basket. Un très, très bon business à lancer en Afrique. Tu n'as pas besoin de commencer avec une grande salle. Tu peux juste commencer avec une petite salle. Et par après, tu as grandi. J'allais vous montrer là au-dessus, là-bas. Il y a des manifestations, par exemple, des fêtes pour enfants. Si les gens veulent louer, ils viennent louer là au-dessus et ils font des fêtes. Vraiment un très, très bon business. Et regardez comme les enfants sont en train de jouer ici. Très, très, très joli. Très, très joli. Alors, on va retourner de l'autre côté. Comme ça, vous allez voir. Un très, très bon business. C'est vrai que tu dois avoir un budget, un capital pour louer un endroit comme ça, avoir les restaurants et avoir des jeux. Mais vous voyez comme il y a plein d'enfants ici et c'est toujours attirant comme ça. Et j'aime souvent emmener les enfants ici et je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Et ils ont des petites salles. Par exemple, si quelqu'un veut louer cette salle, tu peux faire louer cette salle aussi. Là, c'est salle essentielle. Il y a des gens qui sont en train de manger. Je vais vous montrer les restaurants. Qu'est-ce que vous pouvez vendre au restaurant? Juste pour avoir une idée, il y a les jus là-bas, il y a les coca, les bonbons, surtout pour les histoires pour enfants. Hein? Ice, les crèmes et tout. Et ici, c'est la cuisine. Comme je vous ai dit, ça aussi, c'est un autre business. Donc, ça veut dire que... Regardez comme ça bouge. Donc, tu peux te faire les massages ici, mais tu dois payer. Vraiment, un autre business très rentable. Et ça aussi, c'est un autre business. Les enfants peuvent prendre la photo ici. Tu entres, tu mets de l'argent et tu prends la photo. Très, très, très rentable. Et à la fin, qu'est-ce que tu feras? Tu peux commencer à vendre les casquettes, les polos de ton business. Les casquettes, les polos du nom de ton shop. Comme ça, les enfants peuvent prendre comme un souvenir, mais c'est à vendre. Vraiment, c'est un très, très, très bon business. Un très, très bon business à lancer en Afrique. Regardez comme c'est très joli. Trouvez-vous un bon endroit, investissez et vraiment, vous n'allez pas vous regretter. Hein. C'est vraiment très, très bien. Et c'est toujours bien de se détendre. Nous voulons voir peu de bars en Afrique et plus d'endroits comme ça pour se détendre. Regardez comme les gens se détendent, ils attendent les enfants qu'ils puissent finir de jouer et ils peuvent aller rentrer à la maison. Un très bon business à investir en Afrique. Si tu en as besoin d'investir sur ce business ici,
et tu veux savoir vraiment plus sur quel jeu mettre dans ta salle, vraiment où payer les jeux, tu peux nous contacter sur Investir chez nous. Nous serons ravis de vous orienter. Et vraiment, c'est très joli. Là, c'est là où tu dois payer, c'est l'entrée. Et c'est par là que je vous demanderai de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et nous allons nous voir avec vous prochainement.